Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Montauban. C'est un vrai plaisir. Brigitte Barrèche, donc. Nous sommes ici sur la place nationale, donc vous étiez en train de me dire que c'était ici que tout avait commencé. C'est vrai. Quand le comte de Toulouse a consenti au futur Montalbanais donc, de pouvoir construire sur ses terres ici une future ville, elle est assez récente, en 1144, c'est pas très vieux, au XIIe siècle, au Moyen Âge. Eh bien, ils ont choisi cet emplacement au bord du Tarn, évidemment, parce que beaucoup de transports se faisaient par voie fluviale à l'époque. Et le cœur de la ville s'est construit autour de cette place. On est venu aujourd'hui pour vous entendre parler de toute la partie urbanistique, on va dire, tous les projets que vous allez faire à Montauban, mais un petit périmètre de conversation avec vous. Hier, c'était la journée de la femme. Oui. Aujourd'hui, on est sur la place, on voit derrière marqué Olympe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce... Olympe de Gouges. De cette histoire. Olympe de Gouges, une montalbanaise qu'on essaie de faire mieux connaître ici même à Montauban, parce qu'elle était connue internationalement et peut-être pas dans son berceau natal. Donc, elle a vécu ici. Quand son mari est mort, elle est partie, elle était très jeune, à Paris, où elle s'était, au moment de la Révolution française, et elle s'est illustrée, c'était une femme de lettres, elle était dans les salons, elle a soutenu la Révolution française, et dans ce cadre-là, elle a été précurseur, notamment sur les droits de la femme, mais pas que. Elle s'est battue contre l'esclavage, et c'est pour ça qu'elle disait d'elle qu'elle n'était pas féministe, mais humaniste. C'est une femme vraiment qui mérite qu'on la connaisse mieux. Donc c'est pour cela que chaque année, le 8 mars, la fête internationale des femmes, nous fêtons Olympe par le biais des journées Olympe de Gouges. Nous sommes donc à Montauban, à peu près, on va dire, 50 km de Toulouse. Nous sommes... Une demi-heure en train, une demi-heure en voiture. Voilà, 60 000 habitants, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui, on a dépassé 60 000. Nous prenons depuis quelques années 1 000 habitants par an. Je vous invite à aller nous balader avec cette avec femme. Avec plaisir. Balade. Je veux bien vous amener sur un des premiers projets du premier mandat. C'est le fameux parking souterrain qu'il fallait pour amener du stationnement centre-ville, parce que comme vous voyez, les rues sont étroites, comme toutes les villes qui ont été construites au Moyen Âge. Oui. On a fait un grand parking souterrain et on a aménagé dessus une belle esplanade qu'on appelle l'esplanade des Fontaines. Donc nous sommes pas loin de la place des Fontaines, donc comme convenu, et aussi devant Pénélope. Oui. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil à Bourdelle, oui, notre sculpteur historique, parce que nous avons en fait deux artistes majeurs à Montauban, oui. Jean-Dominique Ingres, le peintre classique, oui. Que vous connaissez, qui dont le musée va être fermé pendant 3 ans pour les travaux. Oui. Et puis nous avons Bourdelle. Là nous sommes sur les allées. Hein, qui font partie voilà. Donc, du futur projet. C'est le futur projet, c'est les allées de l'Empereur. Je les ai rebaptisées allées de l'Empereur quand on a fêté le bicentenaire de la création de ce département par Napoléon. Aujourd'hui, on est à côté... Alors, la Maison de la Culture. La Maison de la Culture. C'est l'ancien collège de Jésuites, oui. Où nous allons d'ailleurs, nous avons le centre d'interprétation du patrimoine, et nous allons pendant quelques temps, pendant les 3 ans de fermeture du musée, exposer un musée itinérant d'Ingres. D'accord, et là ça va devenir des allées principales. Alors, voilà. Végétalisées. Alors voilà, je tiens beaucoup à ramener de la végétalisation en centre-ville. Quand je revois les cartes postales de l'époque, il y avait des bosquets partout. Je voudrais en fait créer une continuité verte depuis le Jardin des Plantes où nous allons arriver tout à l'heure, qui borde les remparts, les anciens remparts de Montauban. Allez, un petit Central Park, je vais dire ça très modestement, de Manhattan, Montalbanais. Très bien, bonne inspiration, bravo. Donc là, nous allons aller jusqu'à la place de la préfecture. Voilà, donc la place de la préfecture qui se trouve juste au milieu des allées de l'Empereur d'un côté, des allées Mortarieux de l'autre, qui sont en fait la continuité de ces allées. Et donc, ce grand projet dont vous parliez, de l'architecte dont on parlait tout à l'heure, oui. Eh bien, a pour but de requalifier complètement ces espaces sur toute la longueur. Avec cette volonté de végétaliser, cette volonté de faire la place aux piétons, pour mieux border notre cœur. Vous avez vu notre cœur historique qui est extrêmement délicat, avec des hôtels magnifiques, des rues piétonnes. Eh bien, il mérite qu'il soit mieux accompagné sur ces faubourgs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce grand projet. On parle beaucoup de ce problème de commerce qui ne marche pas dans les petites et moyennes villes. Quelles sont les idées en fait, l'urbanisation, remettre du vert dans les villes et les autres idées que vous pouvez mettre en place pour... Il y a sur tous les plans. D'abord la sécurité, ça a été important. Mais ensuite, effectivement, il faut amener de la qualité. Les centres-villes, pour moi, ils sont appelés à amener du commerce de qualité. La reconquête des centres-villes, c'est à la fois les commerces, les pieds d'immeuble, mais il ne faut pas oublier l'habitat qui est au-dessus.
historique. Je crois qu'autour de la cathédrale... On va privatiser, enlever la circulation routière. D'accord. Sur le parvis de la cathédrale. D'accord. C'est-à-dire que devant la cathédrale, on va améliorer le parvis, oui, pour qu'il y ait une belle continuité. Il va être complètement végétalisé, on ne va pas le reconnaître. Je ne sais pas si vous avez vu les images. C'est ce qui m'a séduit, vraiment, on a fait un concours, vous savez. Oui. Et vraiment, ce qui m'a séduit dans cette équipe d'architecture et d'urbanisme, c'était précisément ce parvis de la cathédrale qui est devenu une forêt, vraiment, avec évidemment encore de l'eau, hein, parce que tout le pareil, vous savez, je suis très attentive à ramener de l'eau. C'est une ville comme Toulouse où il fait chaud l'été. Oui. Et on a besoin d'être hydraté, brumisé. Donc voilà pourquoi on a des fontaines un peu partout. Là, on est haut. Vous voyez les allées qu'on va continuer à faire, qui maintenant s'appellent plus les allées d'Empereur, mais les allées Mortarieux. Oui. Eh bien, longe la cathédrale. Alors, ce n'est pas la cathédrale d'Albi, la cathédrale de Montauban, c'est une cathédrale classique, oui, bon, qui est imposante, qui a été construite... Notre-Dame de l'Assomption, c'est ça ? Qui a été construite après les guerres de religion, oui, pour reprendre cette ville protestante. On va faire en sorte, là aussi, de créer un parking souterrain et d'enterrer les voitures pour libérer l'espace, l'espace pour les piétons, et puis créer de la végétalisation partout, oui, pour finalement amener une langue verte qui sortira du jardin des plantes qu'on va voir tout à l'heure en surplomb, oui, et pourra amener de la verdure de ce jardin des plantes sur le centre-ville. Et donc, on arrive sur... c'est le faubourg du Moustier, c'est une très belle avenue qui était une entrée de ville à l'époque, qui est bordée d'hôtels particuliers magnifiques, un petit peu comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, de la même époque, et qui sont en surplomb sur un vallon dans lequel a été créé un jardin des plantes magnifique, mais qui est en contrebas. Donc, vous voyez les grilles en face. Toute cette partie-là, c'est le marché de producteurs. Vous voyez d'ailleurs, ils ont tenu à ce qu'on l'écrive, hein, marché de producteurs. Voilà. Voilà. Ce jardin des plantes, c'est quand même une chance inouïe de l'avoir. Et tous les étés, d'ailleurs, nous y faisons. Là, l'endroit où vous avez les voitures, c'est un parking gratuit. Nous avons un festival de musique, qui se tient dans un écran de verdure magnifique. Donc, il y a un petit ascenseur, hein, que vous voyez arriver, là, un genre de téléphérique. C'était un vallon, hein, qui a été il y avait il y a de très belles essences. C'est un petit poumon vert. Eh bien, dis donc, Madame le maire, quelle énergie. La culture, l'histoire, l'architecture, l'urbanisme, la politique, tout ça, à travers un personnage qui est très, effectivement très dynamique. C'est une passion, je crois. Ouais, passionnée, je crois que c'est tellement agréable de construire, de dessiner une ville. Ravi de vous avoir rencontré, au plaisir. C'est un plaisir aussi partagé. Merci de votre intérêt pour Montauban. Avec plaisir, au revoir, madame.